Pour le repas de midi, Kone Alima et sa sœur sont obligées de se partager le contenu d'une assiette, les moyens financiers faisant défaut. Leur leitmotiv, ne rien laisser, ni dans l'assiette, ni au sol, ce serait du gaspillage, alors que d'autres en ont besoin. On achète ce qu'on arrive à tout manger. On ne veut pas acheter et puis on laisse le reste. Il y a deux personnes qui ne mangent pas. Même pour acheter, gagner de l'argent, même pour acheter une nourriture pour manger, ne gagne pas. Éviter le gaspillage, une opinion partagée par Bamba Kassim. Oui, en tout cas, moi, je mange tout. Mais par contre, il y a certaines personnes, eux, ils mangent un peu, ils restent le reste. Depuis le matin, il y a d'autres même qui cherchent à manger depuis le matin, ils n'ont même pas à manger. Selon la Banque mondiale, chaque jour sur Terre, une personne sur sept dort le ventre vide. Des données dont une frange de la population n'a pas encore conscience, trop occupée à jeter le trop-plein de nourriture à la poubelle. Il y a les gens qui viennent manger, ils mangent tout. Il y a d'autres qui ne mangent pas tout. Les filles, là, quand ils viennent, ils mangent un peu et puis ils restent un peu. Les clients qui viennent acheter la nourriture, il y en a qui finissent, il y en a qui ne finissent pas. Bon, le reste, on verse, met ça dans la poubelle. Les gens qui viennent récupérer ça, ils vont donner son POC d'après eux-mêmes. Pour les religieux, le gaspillage de la nourriture est une pratique interdite. Ils invitent alors au partage et à une consommation juste et équilibrée. Dieu nous indique que vis-à-vis de la nourriture, notre rapport doit respecter non seulement le bien commun, mais respecter ce que nous pouvons consommer. Notre crainte de Dieu doit se manifester dans ce respect de la nourriture en l'occurrence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kulo wa shrabu. Voilà, tout serait faux. Il dit, mangez, mais ne gaspillez pas. Donc, la nourriture, c'est quelque chose qui est très précieux. Donc, on doit la protéger et puis la bien garder. Donc, l'islam nous recommande de manger selon le besoin du corps. Gaspiller, un péché donc, et nombreux sont les consommateurs assis à donner à cœur joie.